Coucou, bonjour, hein. Bonjour à tous, désolé vraiment. Je suis déjà au boulot. Je voulais juste communiquer à tous les esprits maléfiques, à tous les haineux qui sont en train d'annoncer, d'encourager le boycott de l'Edipense, que nous ne sommes pas là pour les problèmes privés. J'ai publié une vidéo ce matin sur ma page qui prouve vraiment que l'Edipense est une artiste engagée malgré... qu'elle n'appartient pas à un parti politique. C'est ce que nous demandons aux artistes d'essayer de se prononcer sur le cas du Cameroun. Et elle le fait si bien. Le dernier conseil, Lady Ponce, elle a communiqué là-dessus. Stop à la guerre, Onozo, je suis Bamenda. C'est ce que nous demandons aux artistes. Donc ceux qui ont des problèmes particuliers avec Lady Ponce, leurs problèmes, ça ne nous regarde pas. La basse n'est pas là pour régler un quelconque problème. Donc ceux-là se reconnaissent. Si vous avez lancé le boycott de Lady Ponce, ça vous regarde. Ça ne regarde pas la basse. Vous le faites à votre nom propre. Donc, je viens ici en tant que père fondateur de la basse pour joindre mes amis combattants et dire Lady Ponce ne sera pas boycottée à l'Olympia. Et moi-même, personnellement, je vais chercher un billet pour m'y rendre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je serai là pour encourager la diva. La diva Lady Ponce qui est pour le peuple, qui dénonce tout haut. Il a la dénoncé c'est quoi là, la Sonnelle, je pense, Enéo. Elle était aux côtés des enseignants, elle était aux côtés du peuple, elle est toujours là. Donc Lady Ponce, je viens ici vous confirmer, Lady Ponce ne sera pas boycottée à l'Olympia. Donc ceux qui veulent boycotter les dépenses, c'est leur problème, ça ne nous regarde pas, ça ne regarde pas la basse. Donc nous n'allons pas boycotter les dépenses à l'Olympia. Donc joli Olympia à toi les dépenses. Bonne chance. Et je suis en train de faire, on va chercher le Nyama pour acheter mon billet VIP. Pour ton conseil, pour venir t'encourager ma lady. Tu ne seras pas boycotté. Et c'est de ça qu'il s'agit. La personne... ça énerve trop parler parce que c'est qu'elle veut. Donc c'est encore pour vous prouver, pour prouver au peuple de la résistance, au peuple camerounais, que nous ne sommes pas là pour les règlements de compte dans les boycotts, et aussi pour attirer l'attention aussi des autres artistes camerounais, vraiment de faire dessus l'exemple de la lady. J'ai une vidéo là qui est sur mon mur, aussi plusieurs combattants qui l'ont déjà publié aussi. On l'a reçu le matin par l'un de nos combattants qui est salué d'ailleurs dans un groupe de travail. Donc Lady Ponce ne sera pas boycottée. Donc les gens arrêtent de chercher les polémiques sur son Olympia. Son Olympia sera propre et limpide. Donc j'appelle tout le peuple camerounais, que vous le sachiez. Que vous le sachiez effectivement que la diva Lady Ponce ne sera pas boycottée à l'Olympia. Donc joli Olympia à toi. Et avant ça même, j'annonce, la diva, elle est programmée ici en Belgique à Charleroi. Dans un concert qui sera vraiment phénoménal, organisé par Van le gouverneur, et vraiment j'y serai pour l'encourager. C'est ce que nous voulons, nous encourageons nos artistes comme Belka Tobi. Suivez le pas, suivez l'exemple. Lady Ponce ne sera pas boycottée, je le parle et je le réintère ici en diaspora. Lady Ponce n'est pas dans la liste de boycott. D'ailleurs, depuis 2018, elle n'a jamais été dans notre liste de boycott, et c'est une artiste qui en fait trop. Elle en fait trop vraiment. Donc, et c'est ce que nous demandons vraiment à ses sœurs, à ses frères, à ses collègues artistes, de suivre ses pas. Dénoncer ne veut pas dire appartenir à un parti politique. Faites comme les dit Ponce, et vous allez voir pas nos frères tués à Bamenda. Donc, matin. C'est comme ça le matin, hein, pour moi. Mon œil coule chaque matin, je te jure. Donc, je dis, je réintègre, les dit Ponce ne sera pas boycotté à l'Olympia. Donc, nous ne sommes pas là pour régler les comptes avec des comptes des gens. Celui qui a le point avec lui pense pas aller régler ses problèmes seul. Le boycott, ça n'appartient plus à la base, ça appartient au peuple. Si tu vois que tu es énervé, tu arrives là-bas, tu fais ton boycott, c'est ton problème. Mais la base ne sera pas là pour boycotter les dépenses. Donc, faut pas dire le nom de ma société. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Les dépenses ne sera pas boycottée. Ici, en diaspora, la base ne boycottera pas les dépenses. Et pour montrer vraiment que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons et que nous ne sommes pas là pour vraiment de compte, nous-mêmes, nous allons être là. Moi, je serai là, personnellement. Il y a aussi plusieurs combattants
que je vois sur les murs seront là, la villageoise de Quart sera là, il y a plusieurs personnes. Moi, je serai là, je vais acheter mon billet, je vais venir à l'Olympia, je vais aussi entrer à l'Olympia pour la première fois peut-être de ma vie. Voilà, pour aller voir la Lady chanter. C'est un peu de ça qu'il s'agit, quoi. Donc, Lady Pont ne sera pas boycotté ici, en diaspora. Joli conseil à toi et désolé vraiment, hein, c'est un direct très rapide. Je suis en retard de 5 minutes. J'ai encore monté. Donc, vraiment désolé. Je voulais juste passer cette petite communication et je vais vous annoncer un direct de feu. De feu la semaine prochaine. Donc, ça, c'était juste un petit blablabla. Lady Pont, bonne journée. Big up à ta team. Préparez-nous bien l'Olympia, que tout marche bien. Allez, ciao!